Un certain nombre de questions se posent encore à quelques semaines de l'échéance du grand oral de management. Et aussi, j'y réponds directement lors des séances de FAQ qui ont lieu à l'école avec les différents groupes d'étudiants. Donc vous pourrez trouver réponse à l'ensemble ou l'essentiel de vos questions sur ces différentes vidéos en vérifiant bien le descriptif pour retrouver votre question. Ceci étant, les questions sont organisées autour des blocs suivants. J'ai pu relever un certain nombre de questions relatives à la différence dans les modalités pratiques entre un examen en présentiel et un examen à distance. J'ai pu relever nombre de questions relatives au sujet, leur formulation, des inquiétudes quant à la possibilité qu'ils soient éloignés de vos centres d'intérêt ou de votre champ de connaissances. Troisièmement, il y a eu des questions sur les résultats au grand oral et notamment des choses liées à l'échec possible. Quatrième bloc de questions, énormément de questions sur l'argumentaire, la construction de l'argumentaire et un certain nombre d'éléments de contenu. Le bloc suivant, des questions relatives à la préparation. Comment puis-je me préparer? Ensuite, des exemples de sujets m'ont été demandés et des exemples de sujets à traiter. Et ça, c'est l'objet d'autres vidéos. Ensuite, des questions relatives à l'évaluation, donc ses modalités et ses fondements, se posent, suivies de questions relatives à la composition, aux compétences particulières et aux attentes des jurys. Et enfin, un certain nombre de questions inclassables dans les catégories ci-dessus. Chaque question fait l'objet d'un traitement direct et particulier.